Décathlon a toujours fait partie de ma vie. J'y vais depuis que j'ai commencé la danse à l'âge de 6 ans. Donc naturellement, j'ai cherché mes premiers stages d'études chez Décathlon. Je suis rentrée en stage de 4 mois au service de la trésorerie. Et ce qui m'a particulièrement impressionnée, c'est que j'ai commencé le lundi en faisant du sport avec toute l'équipe. Le mardi, je faisais ma première formation et dès le mercredi, je prenais déjà des décisions. Ensuite, j'ai continué dans le même service, en alternance pour terminer mes études, sur le métier de gestionnaire administratif et financier. Donc j'avais un périmètre de magasin et autant de responsabilités que mes collègues. Je suis ensuite devenue contrôleur financier sur la région de Paris, un ensemble de 12 magasins. Et ce qui m'a vraiment passionnée, c'était d'accompagner les directeurs de magasins dans la lecture de leur activité économique et aussi de travailler sur des projets plutôt à moyen terme, tels que l'ouverture de magasins. Donc j'ai exercé le métier de contrôleur financier pendant 2 ans et sur les 6 derniers mois, j'étais responsable d'équipe. Je gardais mon métier de contrôleur financier et je manageais une équipe de 5 personnes. Il y a 1 an, j'ai rejoint la direction comptable pour m'occuper des frais de personnel sur toute la société Decathlon France, un métier plus technique par la relation avec les commissaires aux comptes, mais également toute une partie de gestion de projet et de formation. En quelques semaines, j'ai la chance de partir au Sénégal pour ouvrir les premiers magasins Décathlon en tant que directeur administratif et financier. J'aurai la belle responsabilité de trouver le bon business model pour faire le succès de Décathlon dans le pays et je serai très fière de faire vivre l'expérience Décathlon aux utilisateurs sénégalais et de recruter localement une équipe qui essaye, teste et décide. Je suis Camille, j'ai 26 ans et ça fait 5 ans que je travaille chez Décathlon.